Ce soir, du coup, c'est soirée fille. On va regarder Twilight avec ma maman. Mais avant ça, du coup, j'ai appliqué mon petit soin Just Miraculous de chez Maybe Paris. Et clairement, pour moi, c'est un sérum masque à appliquer avant les lavages de cheveux, à faire poser toute la nuit. Après quelques heures suffisent. Mais vraiment, le mieux, c'est de laisser poser toute la nuit pour avoir un effet encore plus waouh. Et ce produit-là, c'est un indispensable pour moi. Vraiment, déjà l'odeur waouh. Et en fait, ça va vraiment venir agir toute la nuit. Ça va venir, si vous avez, par exemple, si vous utilisez beaucoup de chaleur sur vos cheveux, ça va venir les réparer, ça va venir les renforcer, les fortifier. Si vous avez des fourches, les cheveux cassants, en fait, ça va vraiment venir les renforcer et les réparer en profondeur. Et vraiment, pour moi, c'est un indispensable. Et juste, l'odeur est incroyable. Vraiment, l'odeur. Pépite. Il y a des antioxydants aussi à l'intérieur avec de la vitamine E. Ça va vraiment venir préserver le cheveu et le renforcer. Il faut savoir que les produits Maybe Paris, je les adore en temps normal, mais ce produit vraiment coup de cœur. Sachez aussi que pour les produits Maybe Paris, moi j'utilise vraiment toute leur gamme shampoing, shampoing après shampoing et Botox à chaque lavage. Et j'ai vraiment avant chaque lavage aussi, du coup, j'applique du coup mon soin Just Miraculous. Là demain je vais chez le coiffeur, donc c'est pour ça que je le fais ce soir. Et ça va vraiment du coup renforcer les cheveux. Leurs produits sont juste géniaux. Il faut savoir que leurs produits sont 100% made in France. Ils sont vegan, mais en plus de ça, ils sont à plus de 90% naturels. Mais pas que, et ça c'est le plus important, sans sulfate, sans parabènes et sans silicone. Et ça pour nos cheveux, c'est juste super important les filles. Donc vraiment les produits Maybe, vous pouvez foncer. Et là, pour le Cyber Monday, j'ai une offre super intéressante pour vous. Donc vraiment profitez-en si vous voulez vous commander des produits capillaires. Et sachez que les produits Maybe Paris, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensemble. Elle est énorme. Comment je vais faire? Où est Naka? Naka, pitié. Reviens juste enlever l'araignée, s'il te plaît. Qu'est-ce que je fais avec ça? Elle est juste face à moi. En face de moi, vraiment, en face de moi. Elle est horrible. Oh mon Dieu, en plus je suis sûre qu'elle a des bébés. Oh, maman! Regarde ce qu'une mère est prête à faire pour son enfant. Ah oui, merci maman, heureusement que t'es là. Oh, qu'est-ce que je ferais sans toi? J'ai aussi peur que toi. Je me doute bien. Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, ce matin, je me suis réveillée à 8h. J'ai fait pas mal de petites choses que j'avais à faire pour le travail. J'ai fait des mails, tout ça. Voilà. Sinon, j'ai quand même plutôt bien dormi après la mésaventure de l'araignée. Heureusement, ma maman était là. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans elle. Bon, sinon, pendant que je me prépare, j'en prie pour papoter avec vous. Je vous jure, je crois que j'ai un problème en fait. J'ai toujours su que j'aimais plus ou moins être seule. J'ai un caractère un peu de solitaire, je le sais plus ou moins. Après, j'adore être avec les gens et tout. Mais j'ai toujours été satisfaite de ma compagnie, disons. Et là, je vous jure qu'il n'y ait personne à la maison et tout, que ce soit calme. Ça me fait trop de bien, genre. Bon, bien sûr, on a quand même manque, vous voyez, mais ça me fait quand même du bien d'être seule chez moi, qu'il n'y ait pas de bruit. Est-ce que c'est le karma? J'ai déjà goûté le donut de chez McDo. Non, vraiment. Alors, j'étais sur un rééquilibrage alimentaire. Vraiment, j'étais sur un rééquilibrage alimentaire, pleine d'ambition, motivée plus que jamais. Et j'ai pas eu le temps de manger ce midi, donc je me suis arrêtée chez McDo pour prendre une salade. Et la dame m'a demandé si je voulais quelque chose en dessert. Bah, j'ai dit oui. Je vous ai dit, je sais pas finir mon plat sur une touche pas sucrée. Je suis obligée de tenir mon plat par une touche sucrée. Et quand elle m'a dit, vous voulez un dessert? Regardez qui est de retour à la maison. Tu dis bonjour? Bonjour! Tu fais coucou? Tu fais coucou? Non, tu préfères fouiller dans le vase à maman? C'est plus intéressant? Oh là là, c'est super de fouiller dans le vase à maman. Oh là là, mais vraiment, c'est génial! Ah, une occupation de qualité. Vraiment, des occupations comme ça, on n'en a pas tous les jours. Ah, pardon, tu veux te revoir en train de fouiller dans le vase. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Vraiment, une occupation de qualité. Vraiment, comme quoi, les enfants, tu peux leur acheter des tonnes de bruit, ils s'occupent avec un truc improbable. Bon, ça, en vrai, je me doutais quand même que ça l'occuperait, ça. C'est, vous savez, hein, j'ai mis un petit vase avec des petites... Il y a des...
des pommes de pin, des petits trucs comme ça. Vous savez, c'est les compos de Noël qu'on trouve chez Maison du Monde. Voilà, donc du coup, elle se régale avec ça. Vraiment, c'est son occupation du soir. Bon, sinon, j'étais en train de me demander, en fait, de base, je voulais vous écrire... Enfin, de base, en fait, je voulais partager avec vous un petit peu ma vie de maman, tout ce côté un peu la charge mentale qu'on peut avoir des fois sans s'en rendre compte, les difficultés qu'on peut traverser dans un couple avec un enfant, parler aussi des bons moments. Enfin, en fait, je voulais vous partager vraiment tout ça et aussi le fait, par exemple, moi, j'ai été mère quand même, je suis tombée enceinte, j'avais 23 ans. Ma fille, quand elle est née, j'avais 24 ans. Voilà, je partage un peu ma vie entre le fait d'être maman, quand même d'être une jeune femme, et du moins comme arriver un peu dans la vie de femme, se réussir à se trouver psychologiquement, réussir à arriver dans cette vie de femme et avoir confiance en soi, tout ça, et aussi avoir ce côté maman où voilà, où il y a quand même des responsabilités, des choses importantes. Oui. Pardon, surtout dis-le si tu veux que je bouge du canapé. Non, parce que sûrement que je suis pas chez moi. Je bouge du canapé. Non, parce que sûrement que je suis pas chez moi. Et c'est peut-être pas mon canapé. Donc surtout, si je te gêne, n'hésite pas à me le dire. Ah, pardon. Ah, effectivement. Je te gêne? Oui? Mais... Ah oui, pardon. Ah bah voyons, mais maman. Bah ouais, j'avais pas compris que je te gênais. Bah voyons. Ah maman, elle comprend rien celle-là, cette maman. Pardon, mais du coup, je vais rester là. Même si ça t'embête. Je suis désolée. Vraiment, mais je vais rester là. T'es chou. Non, mais vous voyez, en fait, je voulais vraiment vous trouver quelque chose pour vous partager tout ça. Voilà, le fait du coup d'être aussi mère, d'avoir des responsabilités et de kiffer être mère, mais aussi voilà, les difficultés qu'on peut rencontrer. Le fait d'être voilà, d'être maman, vous parlez aussi confiance en soi, parce que c'est vrai que niveau confiance en soi, je pars de loin. Et quand même, aujourd'hui, je suis plutôt contente d'avoir réussi à prendre pas mal confiance en moi, de réussir à faire quelque chose pour vous parler de tout ça. Donc de base, j'avais pensé à un livre. Après, je vous avoue que me poser et écrire un livre entier, parce que je veux que ça vienne vraiment de moi, ça me paraît relativement compliqué, enfin pas compliqué, mais je vous avoue que voilà, ma vie de maman me prend déjà pas mal de temps. Et du coup, j'avoue que me poser, écrire un livre, je peux vous le sortir dans 4 ans. Voilà, grosso modo. Donc j'avais pensé, je cherchais en fait des idées. Après, j'ai pensé au canal sur Instagram, mais je vous avoue que vous partagez ça dans un canal sur Insta, ça me paraît pas non plus oufissime. Donc du coup, en vrai, j'ai pensé au blog, mais je sais pas si c'est encore trop d'actualité. Je sais pas si c'est encore d'actualité, les blogs. Genre, je me disais peut-être vous sortir, vous savez, des articles par thématique, tout ça. Voilà, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Est-ce que déjà, c'est des sujets qui vous plairaient? Enfin voilà, je sais pas sous quelle forme de format je peux vous sortir ça. Mais dites-moi déjà si ça vous plairait. Et dites-moi si c'est encore à la mode, les blogs, si ça se fait encore. Voilà, dites-moi tout ça. Mais je comprends pas, tu refais la déco? Elle te plaît pas la déco de maman? Je comprends pas. Non, vraiment, je comprends pas. On refait toute la déco. J'ai été faire mon brushing cet après-midi et j'avais fait poser mon soin Maybe Paris toute la nuit. Et mes cheveux, ils sont d'une douceur et d'une brillance incroyable. Je suis hyper contente de ces produits Maybe Paris. Et franchement, le sérum Just Miraculous, je vous le dis, c'est un indispensable. Et leur shampoing, enfin leur soin Maybe Paris, ils sont juste super. Mais vraiment, cette brillance, je sais pas si vous voyez bien, c'est incroyable. Et cette douceur, j'en suis trop contente.